Salut à tous et à toutes les amis, c'est Frédédo78, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud patate, désolé, j'ai oublié de mettre le micro. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve enfin pour cette dernière journée de championnat face à Caen. Nous sommes le 20 mai, nous jouons au Parc des Princes, nous allons fêter le titre, bien évidemment. Moi je propose que c'est parti, j'ai pas envie de perdre de temps, j'ai envie de m'éclater, de faire un truc de malade. Caen avait joué en blanc, je crois, ouais. Allez hop, c'est parti. Bah, de toute façon, ils ont pas le choix. C'est en bleu ou en noir, on se voit pas, donc alors vous voyez... J'ai remanié l'équipe, c'est une équipe vraiment bis, avec Descamps dans les buts, Georgen sur le côté droit, Maxwell sur le côté gauche, on a une défense centrale entre Marquinhos et Kimpembe, milieu de terrain nous avons Abraham Kalejari et Nkunku, sur les ailes nous avons Bernede et Ongenda, et à la pointe de l'attaque nous avons Jean-Kevin Augustin. Et ben moi je propose que c'est parti, Voilà, donc nous allons fêter le titre, hein. Alors j'ai voulu mettre cette équipe jeune, c'est fait exprès. On s'en fout de voir Cavani, Thiago Silva, ça a levé le trophée, on s'en fout. Maxwell est le capitaine, c'est clair et net, il va faire pas mal de choses dans ce match. On va essayer de pas le faire expulser pour son dernier match, et c'est parti. Bonjour, c'est un match de championnat que nous allons suivre aujourd'hui. Je suis au commentaire avec Pierre Ménès pour vous faire vivre cette rencontre. Pour ce match, vous retrouverez le Paris Saint-Germain face à Caen. Le Paris Saint-Germain qui aborde cette rencontre avec beaucoup de sérénité après la victoire à l'extérieur face à Saint-Étienne. Victoire 5-3, idéale pour se mettre dans les meilleures conditions pour ce match. Voici la composition de l'équipe à domicile. C'est un milieu à 3 hein, qui va être chargé d'alimenter 3 joueurs offensifs. Et l'entraîneur qui a évidemment opté pour le 4-3-3. Ne demandez pas Lucas, Di Maria, tout ça, ils sont dans l'équipe réserve. Donc alors attention. Il n'y a pas de... C'est la dernière journée, on fait jouer aussi les jeunes, je crois qu'ils y ont le droit. Ils ont le droit de fêter ce titre aussi. On les a très peu vus cette saison, ils méritent quand même de fêter le titre. C'était long cette saison, mais voilà. Le Parc des Princes qui a été un petit peu relooké aux couleurs du club du Paris Saint-Germain. Oui, les Qataris ont entrepris des énormes travaux et aujourd'hui le stade est vraiment ultra moderne. Le Paris Saint-Germain, qui n'est que le deuxième club français à avoir remporté une Coupe d'Europe. Ils ne sont que deux à avoir gagné une Coupe d'Europe. Mais c'était la Coupe des vainqueurs de Coupe en 96 à Bruxelles, le Rapide de Vienne, sur un coup franc de Bruno et de Gotti. Pour arbitrer ce match, monsieur Benoît Taillade. Et c'est parti les amis. Voilà, c'est parti. Dernière journée de championnat. Du Paris Saint-Germain. C'était pas pour lui à la base. Il s'avance vers la surface. Oui, c'est donné en l'espace. Et donc, sorti de but. Oula. Erwin Ogenda. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, le centre. Ouais, l'intention. Touche. C'est le défenseur hein, qui a pris le dessus. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Konko, le centre, attention. Dommage. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Oh, joli. Durandé. Maxwell. Oh, c'est l'interception. Il
Jean-Kévin Augustin. Maxwell. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Maxwell. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Il prend sa chance. Oh, corner. Magnifique plongeon hein, sur ce ballon qui était difficile à négocier. Belle frappe. Allez, la mise en place de la défense avant ce corner. Maxwell. Corner. Corner. Et but. Et le but. Le ballon. Et 1-0. Touché le poteau et qui termine sa course au fond des filets. Elle a touché le poteau. Attends, je veux voir ça. Ah ouais. J'ai pas fait exprès. Je croyais qu'elle était partie tout droit, moi. Non, non. Poteau. Ah, elle serait pas rentrée à la distance où j'étais. Je lui aurais pété un câble. Parce que ça paraît pas, même si t'es champion, que t'as plus rien à perdre, mais c'est rageant quand même. Nicolas Seub. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Tiens, hop. Ouais, faute. Bon, arrête. T'as craqué ou quoi, toi, l'arbitre? Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Hop, 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 hop. Vincent Bessa. La joueur, Rémi. À suivre, c'est un corner pour quand. Jordan Adeoti. Hop, 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 hop. Ouais, la frappe. Corner, hein, putain, ils vont pas faire comme nous, j'espère. On l'a mis au bout du troisième. Ah, bien joué, Rémi. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ah non, il ne tombe pas, hein, il résiste à la charge. Konko. Ben Youssef. Shakira la dure. Shakira la dure. Ils construisent patiemment, ils attendent. Elle parle, il parle d'une bite ou quoi là? Qui continue après ce tacle, qui va le prendre? Ouais, c'est jeu de mots puéril. Finalement. Hop, 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 mauvais contrôle. Ça arrive. Gardez Oti. Oh, dommage. Allez, dans le couloir. Le PSG, bien organisé, hein, qui a bien subtilisé ce ballon. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Elle la voit. Ah, dommage. Ouais, largement à côté. Ah, il pouvait pas la prendre comme il fallait parce qu'il était vraiment gêné. Manel Kipembe. Maxwell. On s'approche du but. Allez, le centre, il faut qu'il s'applique. Mais je t'ai demandé de frapper, putain, merde. Problème. Regardez Oti. Bien joué. Sauf que regardez, hop. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. C'est un centre. Ouais, bien vu ce centre. Mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Maxwell. Ça n'ira pas. Oh, dommage. Loin. Shakira la dure. Par contre, faut vraiment que je voie ce nom parce que
Ça me stresse. Les Parisiens qui vont visiblement dommage. Essayer quelque chose là. Rodelin. Nicolas Seub. Merci. Et Marquinhos surgit et intercepte. Ah, dommage. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, c'est Ismaël Diomande. Oh putain, je crois que je l'ai fait louper son tir. Dommage quand même. Aïe, 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 aïe. Marquinhos. Erwin Ogenda. Konko. Non, c'est pas pour lui. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. La remise directe, c'est bien vu. Alors, je vous avais dit que je ferais jouer Verratti lors de la dernière journée. Le tacle, mais le je vais tenir parole, vous inquiétez pas. Le centre, la tête. Et... Oh, 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 oh. Je m'y attendais pas. Ils attendent une ouverture dans la défense. Le centre, attention. Alors, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. Bah, il aurait pu largement, excuse-moi, enfin bon. Parle. Diomande. Oula. L'arbitre. Oh putain. Le joueur parisien. Un bon ballon d'attaque. Rodelin. Je viens juste de tilter, mais niveau gardien, c'est un duel de Rémy. Hein. Entre Rémy Vercoutre et Rémy Descamps. Ouais, oh, touche pour nous, la contre, monsieur l'arbitre. Merci. Bonne interception. Oh, Mani, oh là. JKA. Oui, le gardien avait peut-être anticipé. Jean-Kevin Augustin. Magnifique. C'est son deuxième but impersonnel aujourd'hui. Oh, le petit geste technique là était parfait. Ça fait 2 buts à 0, il domine les débats. Hein. Demandé. Ah, j'hésitais à centrer à tirer, je suis sûr, je tire, je la mets pas. Bah, allez hop, mauvaise langue. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Nicolas. Oh, oh. Oh, il peut s'en vouloir hein, d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Konko. Ah, dommage. Il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Rodelin. Nicolas Seub. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah, ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Nicolas Seub. T'as l'arbitre, tu m'es obligé de te contourner, enfoiré. Hop. Ils enchaînent les passes. Tain, hop. Le décalage qui va sans doute venir. Hop, pardon, excuse-moi. Décalé, il y avait une faute, l'arbitre fait signe de jouer. Pff, c'était quoi ce tacle? Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but.
Attention à la réception de ce centre. Oula. Voilà. Ballon qui file en touche. Nkunku. Non, ça branne. Ça branne, pardon. Ouais, carton jaune, hein, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. Ouais, on sent que l'arbitre a hésité. Attention, il a du champ devant lui. Merde. Ouais, la belle. Oh, quel arrêt. Quel arrêt. Quel arrêt. Bien joué, mon Rémi. Nkunku. Redoublement de passe pour créer de l'espace. Merde. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas. Alors là, faut féliciter, c'est l'arrêt de Rémi Descan là. Magnifique. Ben Youssef. Ouais, touche pour eux, ouais. Suite à cette déviation. Merci. Il intercepte. Hop, merci. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Le centre était bien adressé, mais ah, il a très bien lu la trajectoire du ballon. Merde. Putain. On est bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Ça part bien, action dangereuse. Ils construisent, ils font tourner. Attention à la frappe. Ah, c'est complètement dévissé. Merde, putain. Ballon dans l'entrejeu. On s'approche du but. Oh, monsieur l'arbitre, je joue le ballon. Ça va donner un bon coup franc. T'as bu, sérieux. Le gardien a sorti au point. Mais si vous y avez pas, personne n'y va. Hey. Je t'ai vu, t'inquiète. Oh, il merde. Est premier sur cette passe. Erwin Ogenda. Nkunku. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Non, c'est parce que j'ai demandé. Perception. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Merde. Oh là. Un peu plus. En faveur du club parisien. Ah, oh, putain, dommage, bien joué. Ouais, faute, ouais. Arbitre qui siffle contre le PSG. Attention, ça peut être dangereux. C'est le PSG qui est sanctionné sur ce coup. Mais j'ai pas. J'ai rien fait. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Sub. Corner. Ce sera un corner, concédé par la défense finalement. Vincent Bessa. Ah, il est un petit peu court à côté. Sur ce ballon. Il ne peut pas la rabattre, c'est toujours pareil. Allez, il me la contre. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Il choisit la frappe. Putain. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon bon, avis, viens là toi. Le jeu, c'était pas là. Nkunku. Ouais, super. Sur cette interception. Oh, si personne n'y va, hein. Il s'avance vers la surface. Non, non, pas de. Mais j'ai trop de bout de temps. Ah, c'était pas loin, la petite passe piquée, c'était bien vu. Nkunku.
Diomandé. Vincent Dessa. Allez, attention, il sort. Oh, il faute, biscotte. Il commet la faute. Ouais, faute sanctionnée d'un carton jaune. Il va falloir faire gaffe maintenant. Eh ouais, putain. Ouais, il était bien trop loin pour tenter quoi que ce soit de dangereux. Oh, qu'est-ce qu'il est perso sur cette action. C'est vrai. Il est trompé maintenant. Hop, 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 bien vu. J'ai anticipé mon... Cette perte de balle. Oh, oh, magnifique. Ah, oh, moins beau. Oh, papa, moins beau, ça. Le qui n'est pour personne, finalement. Vincent Bessa. Ah, impeccable, ce tacle. Le ballon qui finit. Ouais, biscotte. Ah, il a réfléchi, il a hésité, l'arbitre. Et bon, bah, au final, il s'est décidé. Ouais, carton jaune. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur hein, qui a pris le dessus. Ah putain, ça fait deux fois. Nicolas Seb. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Sorti. Elle a retombé du ballon. Conco. Jean-Kevin Augustin. C'est un peu difficile à avancer avec l'équipe BIS. Hein. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, le centre. Wow, il ne trouve personne sur ce centre. Touche pour nous. Le PSG va jouer cette touche. Tout ah putain, bien joué. Le ballon sur le côté. Gardez Oti. Rodelin. Hop. Shakira à la dure. Ouais, le ballon qui est perdu. Ah putain, redresse ton ballon. Damien la cible. Shakir à la dure. Oh, ah oui, c'est Shakir à la dure, d'accord. Il lui rend première intention. Ça fait quand même un petit jeu de mots. Hein. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ah non, ça n'ira pas. T'as envie de dire, eh ben mon petit piqué, on bombe. Erwin Ogenda. Jean-Kevin Augustin. Attention, il a du champ devant lui. Le long de la ligne de touche. Se centre. Olé. Je crois qu'on s'est gêné. Touche. Panneau. Erwin Ogenda. Allez, dans l'espace. Augustin. Et 3-0. Augustin. Ah, c'est son troisième aujourd'hui. La défense. Il chaud, Augustin. Alors, on voit son troisième but dans ce match. La défense n'a toujours pas trouvé la solution contre lui. Hein. Il est en train de faire un récital. Juste avant la mi-temps, c'est nickel. Le spectacle rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Quatrième arbitre qui indique qu'on jouera 5 minutes de temps additionnel. Monsieur. Gardez Oti. Shakir à la dure. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ah, il faut, désolé. L'arbitre qui sanctionne logiquement le joueur parisien. Oh, tu mets pas une biscotte pour ça, oh. Eh oui, jeune. Oh non, il y a de l'abus là. Ah, il y a de l'abus, il y a de l'abus, il y a de l'abus, il y a de l'abus. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus pro. Erwin Ogenda. Conco, il s'avance vers la surface. Ah, pop, pop. Elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante.
Wow. Vincent Bessa. Ouais, un bon ballon d'attaque. Waouh. Dommage. Remis vers Coutre. Putain, autant j'ai assisté à un match nul, là que je suis en train d'assister à une défaite, à une victoire, je veux dire. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Oui, parce que quand j'ai été voir le match, malheureusement, on a fait un partout. Ils avaient égalisé dans les dernières minutes. Konko. Oui, alors je t'ai demandé une passe directe. Le mec, il a attendu 3 ans avant de faire la passe. Vincent Bessa. Ouais, ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Ah, oh, dommage. Mi-temps donc ici. Avec donc, des avances. On espère que. On espère rien du tout. On est en train de gagner. On va pas... Tu vas pas nous faire chier. Alors attends, par contre, je vais faire un truc. Sogonda, elle a joué pas mal de matchs, Ikoné il en a joué très peu, donc on va faire mettre Ikoné en seconde période. Et Démonci. Et le dernier remplacement, je vous dis pas qui c'est, je pense que vous avez deviné. Écoutez, de la part des supporters, c'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. Allez. Il n'y a pas eu de match hein, dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. Ça circule bien. J'ai le doigt qui a ripé. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh! Ouais, facile la récupération. Bon, ça va être une occasion! Et la voilà la frappe! Eh non! Enfin, certes, il y a une occasion! Mais on a le petit Rémi dans les buts! C'est possible. Voilà, regardez, magnifique Rémi! Allez, donne le ballon devant! Voilà, bien! Ouais, le contrôle devait être parfait. Ouah, dommage! Ouais, il lui redonne. Ouais, touche en faveur du club parisien. Alors, je comprends que tu joues en blanc, mais le panneau, l'équipe, il est pas avec toi. Allez. Konko. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Duel pour la récupération du ballon. Ouais, puis sacré duel, hein. En 1-2. Et l'attaque va s'arrêter là. Non. Pas du tout ce que j'ai demandé. Attention, ça peut être dangereux. Non, oui, joli, bien. Attention. Oh putain, dommage. La sortie était un peu à laisser à désirer, mais bon. Ah, il fallait bien que ça s'arrête, hein. Le gardien de but qui finalement doit s'incliner. Oui, il s'incline pour la première fois dans ce match, mais enfin, il a déjà fait tellement d'arrêts jusque-là. Ouais, franchement, il n'y a pas à dire. Il a fait un bon match quand même. Marquinhos. Maxwell. Ah oh, merde, putain. Ajusté, il a récupéré un ballon facile. Qu'est-ce que tu me fais? Il va s'appuyer sur son gardien, repasser en retrait.
Oh, le bâtard, comment il s'est retenu. Regardez Oti. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Allez Paris, allez Paris, où tu es, nous sommes là. Tu ne seras jamais seul, car nous deux, c'est pour la vie. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Attention, il prend sa chance. Wow, alors là, eh, franchement, magnifique la passe. Regardez Oti. La passe en profondeur. Merci. Ouais, bien joué l'interception. Ça part bien, action dangereuse. Ah, dommage. C'est bien pris par le gardien. Ouais, la frappe. Oh putain, ce but. Regardez cette frappe magnifique, parfaite, à ras de terre, très difficile à aller chercher. Ils vont pas revenir quand même, c'est con. Ah, c'est bien ce qu'ils font, hein. Ils ne renoncent pas. Plus qu'un petit but de retard maintenant. Oui, plus qu'un but et la tendance est peut-être en train de s'inverser. Putain, dommage Rémi, putain, t'as fait un bon match là, t'es en train de merder. 2-3-2. Ouais, tout le monde participe à cette... avec un tir. Dommage. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. On fait tourner en essayant de faire ce merde, j'ai pas vu lui. Adversaire pour placer une flèche. Ah non, finalement ce ballon est rendu à l'adversaire. Ce ballon qui est dégagé. Ah, l'arbitre qui indique que la touche est pour le PSG bien sûr. Encore une touche à suivre. C'était le contrôle de l'année. Allez. Nicolas Seub. Regardez Oti. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de son œuf. Ce serait pas mal, oui. Et si on chantait la chanson que j'ai entendue au parc. Du but adverse. Duel pour la récupération. Pour la dernière de Maxwell. Ouais, les Parisiens qui ont la balle maintenant bien récupéré. Allez Maxwell, où tu es, nous sommes là, tu ne seras jamais seul, car nous deux, c'est pour la vie. Cache. Ça circule très bien, hein, c'est bien joué. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire. Dommage. Du ballon. Rodelin. Nicolas Seub. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur hein, qui a pris le dessus. Ah, je l'ai pas vu. Faute. Alors que va dire l'arbitre après cette faute. Voilà. Je suis en train de regarder devant ce qui se passait. On a atteint l'heure de jeu. Jean-Kévin Augustin. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ah, le duel. Ah putain, il y a un blessé. Je crois que c'est Abraham. Nicolas Seub. Vincent Bessa. Attention, ça peut être dangereux. Konko. Ah, oh, putain de match. Ajusté. Il récupère un ballon facile. Merde. Quand le bloc est arrivé. Vincent Bessa. Ouais, le ballon qui circule bien, hein, ça joue vraiment bien.
Ok, super. Konko, entraîneur de l'équipe visiteuse, qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le cadre. Ah putain, dommage. Qui se prépare à annoncer ce changement. J'avais pas vu que j'ai récupéré le ballon. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il a pas. Allez, Jonathan de la place, rentre après de Ismaël Diomandé. Faut même qu'il a été très bon, mais il a peut-être besoin de souffler un peu. Ouais, le contrôle devait être parfait, ce qui n'a pas été le cas. Ouais, le ballon qui est perdu. Maxwell. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain, il a fait signe de jouer. Ouais, bon tac, il a pris le ballon. Julien Ferry. Ouais, un bon ballon d'attaque. Rodelin. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Ah ouais, ballon récupéré hein, par les Canets. Julien Ferré. Oh, il arrive. Oh, quel plongeon superbe. Hop. Ouais, très propre. Corner. Tacle pour mettre le ballon au corner. Ouais, je pense que l'arbitre a hésité là pendant assez longtemps. Hein. C'est quoi, tu joues aux fléchettes? Tu dis qu'il y aura un carton dans le match ou quoi? C'est, j'ai pas compris là. Je vous laisse découvrir cette statistique sur les corners. Il est dépossédé du ballon par Marquinhos, c'est à la régulière. Touche prendre. Ah non, je croyais qu'elle sortait en touche. Bon allez. L'autre, il est arrivé. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Tu retournais de. Ah, dommage. Ah, c'était pas loin, la petite passe piquée, c'était bien vu. Ça fait quand même deux fois que je passe à travers le joueur là, c'est quoi ce délire là? Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ballon rendu à l'adversaire finalement. Ah, ah, ah. Non, c'était pourri. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant, il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Oui, idéalement. Ah oui, le tir. Oh, quel arrêt! Non, sans problème pour le gardien. Bon, anticipe. Oh, il a sauvé son camp hein, sur cette action. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Maxwell. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ouais, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Et où il connaît? Alors, je suis con, juste en train. C'est ça. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Ah, on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien. Ah dommage, ça va être un peu trop court cette passe, c'était bien vu. Hop. Ce match est assez équilibré au niveau de la possession. Hein. Ouais, les stats sont assez clairs à ce niveau. Maxwell, avec un. Oh coup. Non oh, pourquoi tu me la contre sur cette action. Putain, dommage. Allez, je sais que vous l'attendez tous. On fait plus durer suspense. Abraham, tu sors. Et Marco Verratti qui rentre. Vingt minutes à jouer dans le temps réglementaire. Les 30 derniers mètres. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Ils perdent le ballon avec ce centre qui n'a trouvé personne. Non. Ah oui, ballon récupéré hein, par les Canets. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Marco Verratti.
Oh, allez, putain. Ça n'ira pas plus loin. Barré. Hop, hop, hop. Cette passe de merde. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Cul de billard. D'accord, pourquoi pas. Et il centre, ce centre qui ne donne rien, et l'adversaire peut repartir. Verratti. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution pour le porteur du ballon. Il y a de la qualité dans les passes, dans les déplacements également. Il est sur la trajectoire. Bon, bah, encore une fois, je passe à travers. Nicolas Seub. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Le défenseur qui dégage avec autorité. Attention, il a du champ devant lui. Bon, d'accord. Il a vu l'appel de balle. La frappe. Ouais, bien dégagé là encore. Verratti. Allez, peut-être une bonne occasion. Marco Verratti. Ouais, la frappe. Il dégage avec autorité, mais c'est bien défendu. C'est tendu du string. Ça a été dévié. Touche. Marquinhos. Marco Verratti. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Marco Verratti. Ballon bien. Oh, un peu plus s'il la mettait cet enfoiré. Attention au corner. Début d'écart, ça ferait beaucoup. Yes. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Il prend sa chance, sans danger pour le gardien qui accompagne ce ballon du regard. Free kick. Julien Ferry. Vincent Bessa. Attention, ça peut être dangereux. Et ce ballon est intercepté. Et bien sûr, on entend les supporters qui chante dans cette fin de match, qui encourage. Oui, on sent que ça peut basculer sur cette action. Le 12e homme, dommage. On roule à fond. Jonathan de la place. Vincent Bessa. Vincent Bessa. Ah, facile. Bam. J'aurais pu lui piquer. Il intercepte. Julien Ferry. Nicolas Seub. Putain. Plus. Très bien joué. M'empêche de faire la passe. Pourquoi pas. Ça permet aux joueurs de blesser, de faire quelque chose là, parce que... Non, c'est bon. Jean-Kévin Augustin. Dommage. Vincent Bessa. Yann Caramo. Nicolas Seub.
Et le score qui n'évolue plus. Les deux équipes qui font vraiment jeu égal hein, pour le moment. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Choisit la frappe. Allez, le jeu continue, il va se centrer. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Déconnez pas, vous blessez pas parce qu'il y a peu de remplacement possible. Ouais, impeccable ce tacle. Le ballon qui file en touche. Ben Youssef. J'en attends de la place. D'accord. Hors jeu. Ah oui. Sur cette action. Hors jeu de peu, mais hors jeu. Non mais. Peut-être un contre à Amorti. C'est pas grave. Cette récupération au milieu de terrain. Allez, j'ai glissé, chef. Le joueur du Paris Saint-Germain qui s'est rendu coupable d'une faute grossière. Ouais, qui prend un avertissement justifié. Marco Verratti. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Et l'arbitre qui siffle. Encore en hors-jeu. Un hors-jeu lui a été signalé. Verratti. Oui. Les 30 derniers mètres. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Ah putain. Ouais, il a fait des bonnes passes, les gars. Et a bien intercepté. Damien Da Silva, c'est typiquement le genre d'occasion qu'il ne faut pas rater. Parce qu'ils ont toujours ce petit but de retard. Marco Verratti. Oh putain. Julien Ferry. Dernière chance pour eux, hein, ils n'ont plus le choix. Caramo. Le gardien qui gagne. Oh, elle était déviée pourtant. L'attaquant. Putain, les gars. On s'approche de la zone de vérité. Et non, ça n'ira pas plus loin. C'est bien défendu. 4 minutes de temps additionnel. Allez, 4 minutes pour y croire encore. Ah, le stade qui gronde. Ils sont impatients que l'arbitre donne le coup de sifflet final maintenant. C'est vrai. On veut se trophée là, on peut plus. Ils veulent mettre du rythme. Marco Verratti. Jean-Kévin Augustin, ça part bien, action dangereuse. La frappe. Bon, allez, dévié, dommage. L'arbitre qui sanctionne cette main, bien sûr. Oui, parce qu'attention, ça donne un coup franc bien placé. Ce coup franc. Oh, ah, dommage. Complètement capté par le gardien. Ce coup franc ne donnera rien. Elle est sans doute la dernière opportunité, il ne faut pas la rater. Le centre. C'est pour Rémi. Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Sur la frappe. Putain. J'aurais dû la dégager au pied, putain de tête de mort. Ils se sont accrochés, les voilà à égalité. Et ce but qui survient alors qu'on est dans les arrêts de jeu. Hein. Ils sont allés la chercher, cette égalisation. Hein. Eh bien, ça nous promet vraiment une fin de match passionnante. Verratti récupère le ballon quand même. Shakir à la dure. Non. C'est pas ce que j'ai demandé. Fin du match, Paris champion. Ça y est, c'est fait. Le trophée est à nous. Le Paris Saint-Germain est champion. Ils auront su gagner ce match décisif. Allez, je vous laisse avec la cinématique de fin. Et on se retrouve la saison prochaine. Bye bye. Regardez les joueurs qui s'étreignent. C'est un bon moment, mais. Ouais. Ils vont communier ça avec leur public, bien sûr. Regardez, ils sont tous dans le rond central en train de s'embrasser. Les adversaires sont abattus, restent au sol. On ne peut pas dire qu'il y a de la lassitude dans leur joie. Non, non. Joie collective magnifique. Le PSG champion. Paris champion. Paris champion. Paris champion. Paris champion.
dans du Paris SG, car c'est dans le sang. Paris, Paris champion, Paris champion, Paris, Paris champion, Paris, Paris, Paris champion. Ensemble nous chantons, ensemble nous chantons. À la gloire du Paris SG, car c'est dans le sang. Là tu parles. Paris, Paris champion, Paris champion, Paris, Paris champion, Paris, Paris, Paris champion. Tous ensemble nous chantons, ensemble nous chantons. À la gloire du Paris SG, car c'est dans le sang. Paris, Paris champion, Paris champion, Paris, Paris champion, Paris, Paris, Paris champion. Tous ensemble nous chantons, ensemble nous chantons. À la gloire du Paris SG, car c'est dans le sang. Là tu parles. Paris, Paris champion, Paris champion, Paris, Paris champion, Paris, Paris, Paris champion. Tous ensemble nous chantons, ensemble nous chantons. À la gloire du Paris SG, car c'est dans le sang. Paris, Paris champion, Paris champion, Paris, Paris champion, Paris, Paris, Paris champion. Tous ensemble nous chantons, ensemble nous chantons. À la gloire du Paris SG, car c'est dans le sang. Là tu parles. Paris, Paris champion, Paris champion, Paris, Paris champion, Paris, Paris, Paris champion. Tous ensemble nous chantons, ensemble nous chantons. À la gloire du Paris SG, car c'est dans le sang. Paris, Paris champion, Paris champion, Paris, Paris champion, Paris, Paris, Paris champion. Tous ensemble nous chantons, ensemble nous chantons. À la gloire du Paris SG, car c'est dans le sang. Là tu parles. Paris, Paris champion, Paris champion, Paris, Paris champion, Paris, Paris, Paris champion. Tous ensemble nous chantons, ensemble nous chantons. À la gloire du Paris. Augustin.